Téléspectateurs, téléspectatrices, gros bonsoir pour nous toutes. Jeudi à ce lundi 7 mai 2018. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Sa. N'a démarré le journal là, information qui concerne les conditions temps pour jeudi à et n'a recevoir collaborateur William Polidor. Bonsoir, Wilner. Salut à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble jeudi à nous, lundi 7 mai 2018. Merci pour fidélité. On a vu comment conditions météorologiques là. Te gen an pil la pli semaine passée, disons pendant week-end aussi, gen an pil zone qui inonde, même si activité la pli a commencé à réduire, mais toujours gen possibilité pour gen la pli avec inondation, même si c'est pas gros inondation, et on a loué comment situation est. Nous gen kwenou an ki tabay, qui te généré vraiment yon temps instable sous pays d'Haïti. Avec un pile la pile orage, il est décalé vers Cuba, mais passager sous pays d'Haïti qui était en pile humidité. Et Jean-Noël sous 4 TPWA, pays a toujours en bas instabilité. Et dans ce sens, encore aujourd'hui, on a battu avec quelques activités la pluie sous plusieurs départements et régions nord, en parlant de nord-ouest, nord-nord-est, à procéder par activité la pluie aujourd'hui. L'Artibonite et le centre aussi, département de l'ouest encore. En bas menace la pluie et l'extrême sud-est. En parlant de Jacques Mel, zone Bélance, nous avons Jean activité la pluie, yo même yo très intense dans zone ça jusqu'à 70 à 120 mm la pluie capable de tomber dans zone ça. Et en ce sens encore, nous demandons aux populations qui sont dans zone ça précaution avec prudence parce que encore aujourd'hui, la pluie a tombé sous pays à si tout. En fin d'après-midi, en soirée et au cours de nuit là, et j'en vois sous cadre de précipitation. La Grenasse, le sud de l'année, puis toujours, il y a possibilité pour gagner activité la pluie. Même si activité ça a réduit par rapport avec zone de haute pression qui commençait à arriver sous nous, mais pour Assoya, encore et au cours de nuit là, la pluie encore était possible sous pays d'Haïti. Et j'en vois sous 4 de saturation de sol, ça veut dire côté sol là, toujours plein avec l'eau jusqu'à 90%. Les zones ça vers le sud, faut surveiller et être actif parce que toujours il y a possibilité pour gain inondation. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui toujours en bas instabilité et encore aujourd'hui même si a bien soleil mais la pluie convective, ça veut dire brise de mer cap mais avec réchauffement journée hein, capable de générer quelques averses tapis sous majorité quartier qui dans le département de l'ouest là et la pluie ça il y aura possible en fin d'après-midi en soirée et au cours de nuit là température a monté jusqu'à 34 degrés aujourd'hui, et puis par la descente au cours de nuit, là, c'est 22 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite non seulement sous côte nord, pays d'Haïti, Jean-Noël, la côte sud aussi, mais Golfe de la Gonâve, c'est une mer qui peut agiter. Mais par rapport avec l'activité de la pluie qui prévoit, la visibilité a réduit, demande des populations, ou bien capitaine d'embarcation, prudence avec précaution par rapport avec la pluie, avec l'orage qui a gagné sous pays. Et pour page astronomique, nous conseillons cap coucher. Jeudi à 7h13 et la pleuve demain matin à 6h19. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour l'autre page météorologique. Jean t'a suivi, nous sommes recevoir Wilner Polidor pour conditions météorologiques journée. Merci Wilner et bonne semaine. L'autre information dans le journal là, travail construction 15 km route cap sorti Kafou Zaboka pour arriver Pestel avancé. Président République là, Jovenel Moïse avec plusieurs représentants Banque Interaméricaine de Développement BID fait une visite dans la commune Pestel vendredi 4 mai 2018 là pour vérifier état avancement travail ça yo. Visite ça, c'est occasion pour chef l'État chita parler avec les locaux yo sous besoin commune là. Un reportage Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duverny. C'est en bas un mauvais temps, président républicain Jovenel Moïse arrivé dans le département Grandens pour vérifier l'état avancement route Kafouchal, Corail, Corail-Pestel pour arriver Kafou-Zaboka. Dans Pestel, chef l'État chita ak élu local pour tendre besoin yo. Besoin moun sa yo pas tellement centré sur route là encore,
mais qu'on y a pour de l'eau, l'école, accent de santé. Président, quand on parle de l'eau, on voit la vie, dans Pestel, pas de la vie, parce que plus de 80% de la population pestelloise n'ont pas accès à l'eau potable. Alors, ce que nous avons dans nos villes qui se situent en 3e et 4e section de la Pestel, et c'est un temps ça qui est alimenté. Nous sommes là-dessus, nous avons payé, et puis nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'eau. La plupart de mes présidents, c'est 15 ou 20 gouttes pour nous acheter en eau potable. Tout de suite après, président Jovenel Moïse, après le palais avec la population, hein, sous bord de mer. Pour le présenter au projet administration l'an pour le réaliser dans la commune Pestel avec la section communale. Quelques projets ont été exécutés pendant l'année 2018. Nous demandons de nous voter, c'est promesse que nous devons faire pour engagement avec nous. Engagement pour tout ça nous devons faire comme revendication, moi-même, pour nous mettez en cap pour me réaliser. Pendant 2 ans, ils ont présenté le problème de Pestel-là. Maintenant, j'ai un magistrat. Je dis, magistrat, ça, monsieur Abdina, est-ce que vous-même, comme magistrat, n'avez pas de paix dans vous là pour vous? Mais vous me dites, nous, même là, nous tournons pour vous, pour l'eau, pour courant, pour l'hôpital, pour le commissariat, pour tout ça. Caravane changement commence le travail construction route Kafouza-Boka Pestel-là qui est environ 15 km. Les rentrées dans 4 visions, chef l'État gagne pour connecter communio yuna klot et puis pour construire 4000 km route dans tout pays avant mandat la fini. Technicien caravane changement yo commencé travail dans plusieurs rivières qui ont fait des gars dans le département l'Ouest là les saisons l'ampli. Président de la République Jovenel Moïse fait une visite constante samedi 5 mai 2018 là dans rivière Moments dans l'Éogane pour garder qui j'en travail qui radio avancé. Travail ça yo qui gagne plusieurs phases exécution doit permettre habitants dans l'Éogane dormir qu'est posé pendant saison l'ampli qui pral venir. Un reportage toujours avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Caravane mette accent actuellement sur 3 gros rivières dans le département de l'Ouest. La. Rivière Coujol dans Akaye, Rivière Blanche dans la commune Gantier, et ici, côté Napgade, image sa yo, c'est Rivière Moments dans Darbonne, commune Léogane, qui connaît la cause gros dégâts, les la pluie tombée. Faut nous dire, nous avons 3 jeux d'équipement. Chaque jeu d'équipement a une capacité pour curer plusieurs kilomètres de rivière chaque mois. Là, nous avons Rivière Blanche. Nous avons travaillé depuis mercredi soir, nous avons curé, nous avons rivière Moments, je m'excuse, nous avons curé rivière Moments pour nous arriver jusqu'à embouchure. C'est même genre rivière Blanche tout, nous avons curé rivière Blanche tout pour nous arriver jusqu'à ce que nous avons mis de l'eau à côté des supposés rivières. Sous rivière Blanche, nous avons près de 16 km, sous rivière Moments, nous avons une dizaine de kilomètres. Et demain, nous avons lancé sous, demain dimanche, nous avons lancé sur rivière ou jol nan akaye. Mais nous comprenons ce que ça veut dire. L'équipement là, c'est vrai. L'argent pour acheter gaz. L'argent pour payer PM. Tout ça, l'État haïtien, dans le rapport que l'on a avec Bayer, nous avons travaillé ensemble dans un programme à travers le ministère de l'Agriculture pour nous respecter le programme ça dans la reddition de compte. Parce que l'argent dépensé, il faut bailler. Il faut rendre compte qui ça le fait. Le ministère de l'Agriculture, j'aime toujours dire, caravane dans son stratégie, mais c'est le ministère de l'Agriculture qui a mené le programme. Ça. Caravane n'a pas besoin de plus d'équipement pour permettre le travail à avancer plus vite dans l'autre rivière qui représente un danger sous territoire. Ça qui nécessite plus budget, d'après chef l'État qui expliquait l'intervention SAO a fait en 2 phases. Première phase du programme, nous mettons pour nous curer 300 km de rivière dans le pays. Deuxième phase, là, nous voulons lancer pour le curer encore 300 km rivière. Ça veut dire, dans la première phase, là, non seulement nous avons curé rivière, mais nous prévoyons faire ces sarrelés des réservoirs en amont par rapport à rivière pour nous permettre que l'alluvion à sortir dans le monde, il y a un côté au cap campé. Et puis chaque année, en vent saison, la pluie arrive, nous curer réservoir ça. Ok? Et réservoir ça, il y a permettre à l'alluvion de descendre dans la mer encore. Moun yo très enthousiaste, représentant Bit qui est avec nous, yo très content ça yo ouais. Et me pensais que nous allons travailler ensemble et gon belle annonce que yo fait nous après 14 mois depuis que l'État ici a boumé
avec mes moyens, un support budgétaire qui a venu de la Bible, un support de 40 millions de dollars qui a venu son support direct, plus d'autres accompagnements qu'il a fait avec nous dans le niveau ministère de l'Agriculture, dans le niveau ministère des Travaux publics, dans le niveau ministère de l'Environnement, pour que le travail ne soit pas campé pendant 4 ans qui a venu pour qu'il y ait un travail qui a fait de protection de rivières, pour protection de berges qui a fait dans le pays. Il y a environ 59 rivières sur tout le pays qui ont besoin de faire curage à l'endiguement. Grâce à ce travail, ça y est, mon ak bétail et puis plantation a suspendu péri dans l'inondation, les la pluie fait 2-3 jours à tomber. Voilà, c'était différentes visites du président public, la Jovenel Moïse, t'es fait pendant le week-end. Dans l'idée, pour garder qui j'en travaille avancé dans plusieurs régions dans le pays, dans le cadre de caravane changement. Pendant une conférence pour la presse, le week-end passé, porte-parole régional PNH là, dans le département nord-ouest, là, inspecteur Léonès Joseph présentait bilan opération Force Lodio qui est arrivé mené pour mois avril 2018. Là. D'après bilan, ça, il y a plus d'arrestations qui fait pendant mois avril là, comparativement à mois mars. Marc Edio Sam pour plus de détails. Pour mois mars 2018, la quantité opération Force Lodio menée dans le département nord-ouest là était soldée 194 arrestations, alors que pour mois d'avril passé, c'est 207 individus la police dans le nord-ouest arrivés appréhendés pour vol, meurtre, assassinat et association malfaiteurs. Augmentation ça liée à une série mandat qui était émis pendant mois mars là qui vient exécuter dans mois d'avril là selon explication inspecteur Léonel Joseph. Il y a 60 arrestations en flagrant, il y a 147 sur mandat qui totalisait 207 arrestations pour le mois d'avril. Pour le mois de mars, nous avons gagné 194, pour le mois d'avril, nous avons gagné 207 arrestations qui fait. Il y a un mandat qui pas exécuté pendant mois de mars là vient permettre que il y a plusieurs arrestations qui fait dans mois d'avril. Là. C'est même cas figure pour cas assassinat qui passait à 4 pour mois d'avril là alors que c'est 2 seulement qui étaient enregistrés pour mois mars là d'après porte-parole régional PNH là. Plusieurs cas d'assassinat qui avaient fait tout sous le département. Ça. La date qui était 9 avril, il y a une dame qui aurait les 7 Jeanne Cadet qui tuait par balle. 11 avril 2018, il y a une coopérative Coplès du côté de Bassin Bleu qui était pris en otage par des bandits lourdement armés qui tuaient agent sécurité Joseph Fortuné. 13 avril 2018, du côté de la Tortue, il y a un Louis-Jeanne Blanc âgé de 15 ans qui poignardait un frère qui relait Louis-Jeanne Rigardson. Monsieur arrêté et déféré à la justice. En tout, nous avons eu ces 4 cas d'assassinat. Pourquoi elle est là? Il y a divers lots malfroids, force l'audio dans le nord-ouest continue à chercher pour Zach Malhonnête parmi eux. Braquage qui était fait sous Sikisal, caisse populaire complexe dans la commune Bassin Bleu, côté policier agent 4, Claudie Merceval, qui était perdu la ville dans la même circonstance tragique ça. Ak notamment, crime qui était enregistré dans la commune Saint-Louis-du-Nord, sous Saint-Jean-Cadet, côté la police déjà sous bonne piste, selon déclaration porte-parole régionale PNH là, inspecteur Léonel Joseph. Depuis la métropole du Nord-Ouest, Port-de-Paix, Marc Edi Osam. Antenne Télévision d'État. Merci Marc Edi Osam. Yon délégation inspection générale police là qui gagne en tête li inspecteur général en chef Ralph Stanley Jean-Brice, te visité département ni pendant 3 jours. Gade nan ki condition police yo ap travay, évaluer rapport yo ak population an, c'est principal objectif yo nan sa ki concerne local direction département ni plan quand ki fin krasé. Porte-parole inspection générale là, commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude, annoncé construction nouveau local là non pas trop longtemps. Anne-Myriam Loiseau a bon détail. Yon délégation inspection générale police a visité pendant 3 jours département Nip fin semaine passée. Objectif visite ça, c'est garder dans qui condition agent PNH dans zone nap travail, évaluer relation yo ak population. Dans point de presse yo bay avant yo quitter zone nan 5 mai, porte-parole inspection générale là féliciter tête li pour bon genre rapport li dit li wè ki gen entre force l'audio ak nipoyo pour ça ki gen awè à local direction départementale police niplan qui représentait une menace pour tout policier ak l'autre monde k'ap fréquentel. Commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude fait konnen toute disposition prend et construction nouveau local direction police niplan pour al démarrer avant longtemps. Le commissaire Miagwan que directeur général la te visité dernièrement et m'kwè li annoncé construction prochaine des commissariats et direction départementale là. Donc nous vraiment espérer l'année prochaine, même si le commissariat pas fini, mais nous vraiment espérer qu'a gagner un bagage qui est à un niveau assez avancé.
Pendant visite ça, porte-parole inspection générale la fait connaître, yo te profité ramasser information sous dossier qui impliquait policiers à quelques citoyens. Yo mandé population continuer collaborer pour faciliter travail policier yo. Délégation inspection générale là qui te gen là-dedans yo effectif 20 policiers tab dirigé par inspecteur général en chef Ralph Stanley Jobris accompagné de inspecteur général Hervé Julien. Anne Myriam Loiseau, Métropole Miragouane pour TNH. 894 cartouches, 9 machines, 7 armes saisies avec une vingtaine d'arrestations. C'est bilan opération agent direction centrale police judiciaire mené pendant mois avril pour arriver 3 mai 2018 là. Moun la police arrêté yo gen accusation vol ak zam, viol sou timoun, association malfaiteur, utilisation zam illégale qui pesait sous doyo d'après porte-parole adjoint PNH là, inspecteur principal Gary Desrosiers. Yo extrait dans micro Esaïe Aurelius. Dossier que DCPJ traité sorti avril rivé jodi a. Gagnen 894 cartouches qui saisi 7 zames à feu dont un fusil de MAC AR-15, 9 véhicules confisqués, 2 bateaux. Nature arrestation sa yo, c'est viol sur mineur, viol, homicide, trafic ZAM, détention illégale ZAM, vol de véhicules. DCPJ a arrêté 12 personnes dans le cas de viol. Gagné Louis Moïse, Dumel d'Océan pour implication yo, non, yon cas de viol collectif. Également, menace de mort. Gé Faro Brisnel, qui continue à créer Ulrich et Trans Marco, qui arrêtent tout pour implication présumée dans le cas de viol, détention illégale ZAM, vol de véhicule, évadé de prison. John Steve Maisonneuve, DCPJ arrêté pour implication présumée dans viol collectif, détention illégale ZAM. Gagné 4 personnes que DCPJ épinglé dans le cadre d'un dossier viol sur mineur. C'est Régine Lagent-François qui a 41 ans, Junior Borgela, Jackson Borgela. Alors, Junior gagne 24 ans, Jackson gagne 28 ans, et Similien Borgela gagne 58 ans. Monsieur Sayo impliqué dans le viol collectif, il a fait son mineur de 10 ans. Gagne Josué Pierre, qui a 37 ans, qui a violé un mineur de 11 ans. Gagné Junior Constant François, qui a 23 ans, qui violait un mineur de 13 ans. Gagné Roro Cheristal, qui a 33 ans, qui violait un mineur de 11 ans. Et puis, gagné un mineur, nous ne pas citer non ni, parce que le mineur, il a 15 ans, il fait agression sexuelle sur un timoun 8 ans. Enquête sur disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur avancé d'après porte-parole adjoint police nationale d'Haïti inspecteur Gary Desrosiers. Dans quatre dossiers ça, DCPJ présenté 3 présumés bandits qui étaient impliqués dans disparition journaliste là 14 mars passé à dans quartier Grand Ravine. Pour Kounia, la police nationale d'Haïti déjà fait appel à scientifique FBI pour établir relation entre Zosman qui n'en met DCPJ à corps Vladimir Le Gagneur, d'après Gary Desrosiers. Nous invitons à suivre en bout dans la déclaration. 3 jours après disparition, le 17 mars 2018, Yowé téléphone ça à émet dans la zone cathédrale, en bas de la ville. Le 30 mars, DCPJ fait filature et procède à l'arrestation de 2 personnes. Gastelin Transtamar, qui gagne 26 ans, qui fait Delma, qui habitait Delma 87. Nazaire Paul, qui gonsi non que les deux baisses, ou l'autre non que les Naz, monsieur qui a 28 ans, qui fait Oudedal. DCPJ joigne téléphone de gagneur. Un Samsung Galaxy S6, couleur bleu et gris. Nous joignons téléphone ça sous table monsieur, bon cathédrale. Suite à l'opération, DCPJ a arrêté François Mérissois, qui a 36 ans. Monsieur fait petit trou de nip. Il habite Marty 104, numéro 34. Numéro de téléphone, ça, qui relaie Vladimir. Là. C'est téléphone, c'est Jean, c'est SIM, ça. C'est téléphone François et Mérissois. SIM, ça, monsieur Gagnène. Depuis 2014. Le 28 mars,
DCPJ aller justement sur scène et côté qu'il t'accompagne justement de police scientifique de l'autre unité spécialisée dans la police là dont UDMO, SWAT, CIMO et toute l'autre équipe qui te fait partie justement de l'équipe justement pour te monter et au niveau Grand Ravine côté que récupérer deux ossements sur terrain Palmyra. Chapeau ça que nous voyons là, c'est chapeau Vladimir le gagneur côté que madame ni identifié chapeau ça jour que il était sorti à la tête et nous joignons ni sur site ça sur terrain Palima. À savoir ADN non, n'a dit que DCPJ sollicité déjà et monsieur technicien FBI yo, nous connaît généralement et ça prend temps et pour faire analyse et compatible justement avec ceux qui nous déjoignent, justement, nous gagnons Bois dans monsieur qui va aider nous justement et policiers FBI pour que nous capables d'arriver à identifier si c'est rescore journaliste les gagnants que nous joignons. Ou t'as suivi explication inspecteur Gary Desrosiers dans micro Esaïe Aurelius. L'autre dossier dans le journal là, trois ambassadeurs européens étaient dans Gonaïve week-end passé. Côté ou t'as animé une conférence débat dans quatre activités pour marquer semaine Europe là. Chef délégation Union européenne dans Vincent Degère, qui était gagné avec l'ambassadeur pays la France à Calmaï, t'est présenté membre société civile là, bilan et perspective coopération. Union européenne en Haïti. Exalus Mergena pour détail. C'est dans le local Alliance française Gonaïve là, chef délégation Union européenne nan Vincent Degère qui te gagne avec Elisabeth Béton Delegue et Manfred Oster qui c'est respectivement ambassadeur français à Calmaï. Je t'ai parlé avec membre société civile Gonaïve là samedi 5 mai, week-end passé à ambassadeur européen yo te nan Gonaïve pour une conférence débat dans cadre activité à organiser pour marquer semaine Europe là en Haïti qui commençait depuis 30 avril pour arriver 15 mai, cap venir en conférence de Bassa qui te gagne pour thème bilan et perspective de la construction européenne, te occasion pour diplomates européens yo te parler sous aide à relation Union européenne à Haïti. Chef délégation Union européenne nan Vincent Degère te profiter parler sous quelques initiatives UE. En Haïti. On a beaucoup de programmes en Haïti. On a la réforme de l'État, on a les infrastructures, on a l'urbanisme, on a aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est un grand problème pour l'ensemble du pays, notamment dans le nord-ouest du pays. Et puis on a aussi la question de l'éducation. Et pour ça, on attend que le gouvernement nous propose effectivement une politique éducative. Ils sont en train de travailler sur le plan décennal 2017-2027 de l'éducation d'Haïti. On espère qu'on va pouvoir aider à développer une éducation de qualité parce que le développement du pays passe avant tout par l'éducation. Bon côté PAL, ambassadeur Almaïla Manfred Oster fait connaître, en plus de contribution 20% pays dans le budget général Union européenne, Almaï a plusieurs autres projets bilatérales avec Haïti. Puis gros projet Almaï financé en Haïti, c'est barrage hydroélectrique Peligla sur le fleuve Latibonite qui est capable d'inaugurer. Dans le mois prochain, l'Allemagne a nous contribué à l'appui de l'Union européenne, naturellement, par le budget de l'Union européenne. Ça coûte aussi 20% des contributions allemandes. Dans le budget général de l'Union européenne, il inclut l'aide pour Haïti. Mais nous avons aussi des programmes bilatéraux avec l'Haïti. Et là, pendant les dernières 10 ans, c'était environ 100 millions d'euros que nous avons investis en Haïti. Le plus grand projet, c'est de la réhabilitation de Peligre, de cette station hydroélectrique qui va être inaugurée encore une fois probablement en l'été. Investissement Union européenne en Haïti, c'est 450 millions d'euros sur cette année, d'après Vincent Degère. Activité pour marquer Semaine de l'Europe là en Haïti qui est organisée en prélude à célébration Journée européenne 9 mai cap venir, te clôturé avec animation musicale yon groupe Racine na Gonaïve qui c'est Choukboa Liberté. Exalus Mer Jeuna Gonaïve, Télévision nationale d'Haïti. Merci Exalus Mergena. Colloque international sur corruption et transparence responsable université Kiskeya avec 1804 institut lancé dans semaine là rivé dans Boutli vendredi 4 mai. Activité ça té occasion pour représentants différents secteurs dans pays, professeurs, chercheurs et partenaires international brasser l'idée sur problème corruption dans pays. Yon kontrandi ak Rachel Saint-Fort.
sensibiliser la population sur la problématique de corruption dans le pays. Garder le phénomène de corruption à travers l'analyse débat sous différents angles, dans l'idée pour bien comprendre sa corruption, y est, qui gens pour faire face à elle et puis pour des réponses durables adaptées à la réalité du pays. C'est parmi les objectifs du colloque international, ça, responsable université qui s'y a réalisé dans tête collée à 1804 Institute sur corruption et transparence. Nous-mêmes, en tant qu'institution qui gagne en pile professionnel là-dedans, nous voulons mettre la capacité nous disponible pour aider le pays à faire changement. Ça. Donc, c'est un contexte qui fait nous lancer l'idée, faire symposium non, pour nous pas non seulement mener les gens qui parler ensemble, mais mettre un programme qui est capable de rentrer dans le système éducatif non, pour nous commencer à montrer les gens à bas âge qui sa corruption aye, qui sa transparence aye, qui sa responsabilité aye, parce que ça important pour développer un pays. Activité ça te occasion pour intervenir yo partager avec participants yo expérience yo travail yo produit sur question corruption garder ensemble dispositif institutionnel qui existait jodi a pour gommer contre corruption avec réponse légale qui gagne dans sénat judiciaire pour faire face à elle dans ça. Intervenant yo, parmi yo sociologue, économiste, avocat, politologue, ancien, actuel responsable dans l'État, fait yo ensemble recommandation qui vise combattre corruption dans le pays. A. Gen recommandation qui fait sous cause institution yo. Gen des interrogations qui te gagné. Est-ce que pas gagné et comment dirais-je chevauchement entre l'ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption et la Cour supérieure des comptes. Et donc analyser est-ce que pas gagner des réformes qui pour faire dans sens ça. Tout à l'heure encore, gain la NEC bon là propos que le Tekembe qui pensait que faut nous repenser et pas seulement en restant enfermé sous ça qu'a fait en Haïti, mais ces modèles social là néolibéral là qui est quelque part gagné comme corollaire causer corruption dans la mesure où l'y poser l'individu comme étant un pion qui là pour réussir. Selon l'initiateur du colloque international sur corruption et transparence là, c'est commencement une série d'initiatives qui visait à accorder une attention spéciale à phénomène corruption au niveau universitaire en collaboration avec l'autre secteur yo, pour chercher ensemble une bonne stratégie qui permet de combattre la corruption dans le pays. Merci Rachel et Moïse. Amicale des anciennes du lycée du 150e Amialik, inaugurée vendredi 4 mai, yon infirmerie dans le lycée. Infirmerie ça qui équipé pour aider responsable dans la direction de l'école là fait face à divers problèmes santé yo te kon rencontré. Yon reportage à Rodney d'Orléans. Yon kosen nan yon environnement éducatif sain, c'est en baptême ça, cérémonie inauguration ça a déroulé journée vendredi 4 mai. Dans l'occasion, responsable amical des anciennes du lycée du 150e remet grâce à Bourad plusieurs partenaires divers matériels à direction lycée 150e. Dans l'idée pour bailler premier soin à l'élève, si on a présenté. Car nous croyons fermement que la santé est un droit dont l'accessibilité se veut obligatoire et cette structure aidera certainement le lycée à faire face aux événements tragiques quotidiens qui pourraient survenir sans prévenir aux élèves avant de pouvoir les transférer à un hôpital en cas d'urgence ou de complications. Sachant que l'absence d'une petite goutte d'alcool ou de chlore dans un milieu scolaire peut tuer le rêve d'une jeune fille, l'Amicale des anciennes du lycée du 150e remercie les organismes qui ont répondu positivement à ce projet dont le résultat est de diminuer sur les potentiels risques aggravés auxquels sont exposés ces élèves si elles ne trouvent pas au moins une trousse de premiers soins sur place. Direction l'école là, qui a l'habitude de faire face à diverses cas maladies d'après directrice là, Claudette Zéphirin, qui plus loin remercier et puis féliciter l'équipe Amialik là pour réalisation projet ça. Les monuments aussi pour remercier les membres de l'Amicale, en l'occurrence l'Amialik, qui, malgré vents et marées, n'avaient pas peur de frapper les portes qu'il faut juste pour installer ici, à leur alma mater, cette infirmerie. Un geste humanitaire, un geste de générosité.
Comme vous le savez, ici au lycée du 150e, nous avons des filles qui sont à l'âge de l'adolescence, l'âge de la puberté. Généralement, elles ont des crises de dysménorrhée, des crises d'asthme aigu. Donc, à partir de ces choses-là, nous comprenons fort bien l'importance de cette infirmerie. Marcelin Mergi, Agbeler Rodia, c'est des élèves classe terminale dans le lycée 151A qui pas caché contentement pour réalisation projet ça. Au niveau du lycée du 151A, nous avons la nécessité. Parce que pas vraiment bon infirmerie disponible pour si on élève ta malade et surtout nous recevoir des cas souvent de maladies des personnes qui gain des qui asthmatiques des personnes leur gain régio pas ca jeune disponibilité pour jeune servir d'hygiène tout ça compris mais c'est au bon mot de tête au bon mot de vent. Donc je dis à nous sentir très fiers du fait que Amical avec tout sponsor yo inauguré une infirmerie dans le lycée du 151. Donc m'a remercier Amical spécialement avec tout sponsor les gars. Donc c'est un bel plaisir pour moi nous gagne infirmerie kounia donc nous pas jamais gagne les petits moun malade nous pas gagne côté pour mettre au coucher donc c'est un bel plaisir. Lycée 151 pas celle l'école publique qui t'a fait face à problème sanitaire. Dans ça plusieurs observateurs étaient quoi un projet comme ça t'a dû réaliser dans toute l'autre l'école publique yo. Voilà, c'est le moment pour nous observer. Un coup de pause dans le journal là. Pas déplacé, Naptone. Dans le pays l'autre bord de l'eau, transfert ambassade américaine qui est dans Tel Aviv, dans la ville de Jérusalem, prévoit pour 14 mai 2018 là. Décision ça a fait suite à volonté président américain Donald Trump qui était officialisé reconnaissance Jérusalem comme capitale Israël dans le mois de décembre passé. Nous invitons à suivre un reportage. Installation ambassade américaine dans Jérusalem possible lundi 7 mai à plusieurs ouvriers poser premier panneau qui va direction bâtiment cap l'ouvri 14 mai prochain. Une ouverture symbolique dans place une nouvelle construction qui risque printemps ambassade la pral loger dans actuel consulat américain dans Jérusalem. Inauguration ça inscrit dans cadre création 70e anniversaire état hébreu un nouveau responsable palestinien Saeb Erika dans un communiqué fait appel à tout corps diplomatique là société civile là et autorité religieuse pour boycotter inauguration ça. Décision transfert siège ambassade américaine qui dans Tel Aviv dans Jérusalem montre président américain Donald Trump met un bout à plusieurs dizaines d'années diplomatie à consensus international les sites tout soulevé colle palestinien qui voulait faire Jérusalem est la capitale état payo. Autorité palestinienne a déjà annoncé pour aller camper toute négociation accord pour la paix sous surveillance États-Unis. Toujours dans l'actualité internationale, le président Vladimir Poutine prête serment pour un quatrième mandat dans tête pays la Russie lundi 7 mai 2018. La cérémonie investiture a déroulé dans le Kremlin en présence de 5000 invités qui étaient sortis tout partout. Nous invitons à suivre l'autre reportage. Président Poutine parti pour un quatrième mandat dans tête pays la Russie lundi 7 mai. Côté cérémonie investiture déroulée dans le Kremlin devant 5000 invités. Vladimir Poutine t'est élu première fois dans l'année 2000, côté c'est seul président qui rivé fait 18 années sous pouvoir. C'est seul président Staline qui passait plus de temps sous pouvoir. Pays la Russie, c'est pour nous tous. Il y a un pays chaque monde capable de réaliser. En tant que chef d'État, m'a fait tout ça qui est dans moi-même pour me renforcer puissance et la prospérité gloire pays ça, d'après président Poutine. Président Poutine est encore dans le mois de mars passé avec presque 77% de voix, qui est le premier score réalisé depuis la participation à l'élection. C'est le dernier mandat Poutine après 2024, d'après la Constitution pays la Russie. Dans le dossier sport, football, ASC-ASM, en Baltimore, tempête, Don Bosco a créé l'Orbe du Cap Haïtien. Qualifié pour discuter play-off après 15e et dernière journée, c'est ouverti championnat national première division. Et puis à l'étranger, Barcelone à Real Madrid fait 2-2 dans l'occasion 36e journée championnat d'Espagne. Steve Hearn a fait le point. AS Capoise, AS Mirbalet, Baltimore, Don Bosco de Pétionville, Tempête de Saint-Marc, Real Hop du Cap Haïtien,
assuré yo qui a disputé play-off série aller championnat national football première division 1 après 15e et dernière journée compétition 1 qui passé aucun an. AS Capoise fait victoire sur Akaye 1-0. Baltimore bat Petit Guave 2-1. Don Bosco fait match nul 1-1 à Kwanamet. Real Hop du Cap Haïtien fait 0-0 avec AS Mirbalet alors que Tempête perdu devant Racing Club Haïtien 1-0. Dans l'autre rencontre, Cosmopolite a progressé sérieusement dans le classement, perdu 2-1 contre AS Sud-Est. Cavalli fait 0-0 avec Fika, alors que Racing des Gonaïves fait un gol partout avec Valencia de Léogan. Mais programme Playoff qui a commencé mercredi 9 mai 2018 qui a venu là. Don Bosco a visité Baltimore, Real Hop du Cap Haïtien a poursuivi Tempête. AS Capoise, premier 34 points. AS Mirbalet, deuxième 27 points dans le classement compétition 1, a rentré directement dans la demi-finale Playoff. Merci Estiverne. Et bien voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli. Merci pour fidélité ou avec attention. Nous invitons à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Rendez-vous à la salle des nouvelles là. C'est à 7h pour Téléjournal là. Bonne semaine tout le monde.